Bonjour à toutes. Bonjour aussi aux hommes qui ont le courage d'être là. Ici, c'est Nathalie Guérold, votre experte en Movitamine. Alors, ce soir, j'ai décidé de me prêter un petit exercice spécial dans le domaine des Movitamines. J'ai eu envie, voilà, de vous faire un Facebook Live et puis de faire en direct avec vous trois gratitudes pour ma journée d'aujourd'hui. Pour vous faire, voilà, pour vous faire voir ce que c'est des gratitudes et qu'est-ce que ça peut apporter et à quel point ça peut être simple et puis ça peut être des bonnes choses dans la vie au lieu de regarder le journal de 20 h avec toutes les mauvaises nouvelles du monde sur lesquelles on n'a aucun moyen d'action. Eh bien, on peut apprécier ce qu'on a ici et maintenant et profiter de la vie. Voilà. Alors, c'est pour ça, voilà, je me jette à l'eau en direct sur Facebook. Donc, pour faire des gratitudes, il faut déjà être dans une certaine décontraction, un lâcher-prise et se reconnecter à soi-même. Donc là, la respiration, ça aide déjà dans un premier temps. Tranquillement installé. Essayer de regrouper ses pensées et essayer aussi de se sentir. Parce que dans les gratitudes, c'est vraiment fondamental de sentir. Voilà, la première chose qui me vient. C'est mon souffle. J'ai l'air qui traverse mon nez, qui gonfle ma poitrine sans aucun encombre. Ça, c'est un air plutôt frais qui passe fluidement, qui vient m'apporter tout l'oxygène dont j'ai besoin. Et même si juste là, je le fais de façon consciente et presque un peu forcée, je sais que tout le long de la journée, ça s'est passé naturellement. Et tout le long de ma vie, mon corps le fait tout seul. C'est une vraie merveille. Et pour ça, j'ai une gratitude immense envers mon corps. Et j'ai une gratitude immense d'être en vie, de pouvoir profiter de cet instant maintenant avec vous et avec moi. De sentir mon souffle qui m'habite. Ça m'apporte sérénité, ça m'apporte confiance. Je ressens ma valeur et la valeur d'être en vie. Je me sens bien, je me sens centrée, je me sens apaisée. Voilà. C'était la première gratitude. Deuxième gratitude. Alors, je fais les deux. En même temps, c'est le lever de la victoire. On va voir ce qui monte. J'ai un remerciement spécial à faire envers les endroits où je suis. Donc là, je suis chez moi et il fait frais, bien que dehors il fasse 34 degrés, à l'intérieur il fait bon, j'ai pas trop chaud, un petit peu mais pas trop. Je me sens bien, j'ai un lieu protégé et c'est vraiment un privilège de pouvoir avoir un lieu comme ça où je me sens bien. Aujourd'hui, toute la journée, j'ai également eu la chance d'être dans une zone climatisée et donc. Voilà, je suis pas contente toute l'année d'être là-bas, mais aujourd'hui c'était vraiment très très avantageux d'être dans cette zone climatisée. Donc merci d'avoir eu la chance d'être dans cet endroit spécial. Merci aujourd'hui d'avoir cette qualité de température qui me permet d'être bien. Merci d'avoir cet environnement protégé, un endroit à moi où je peux faire ce que je veux sans être dérangée.
je peux vous parler en toute tranquillité. Ça, c'est un privilège. Je suis reconnaissante envers la vie d'avoir cette protection, d'avoir cette liberté aussi pour être là et pour partager. Voilà. Alors, gratitude envers mon appartement et mon lieu de travail. Et maintenant, troisième, non, 1, 2, 3, on va faire la victoire plus 1. Trois gratitudes. Troisième gratitude, on va voir ce qui monte. Je me centre, pareil. Voilà, il y a quelque chose qui est monté. En fait, j'adore apprendre. J'adore me développer, avancer dans la vie. Voilà, j'adore découvrir de nouvelles choses. Et en ce moment, je suis en train de commencer une toute nouvelle formation. Formation sur l'argent, la valeur et l'abondance. Et donc, j'ai décidé que tout à l'heure, j'allais me délecter un petit peu de cette formation. Et je me réjouis de m'être offerte cette formation. Je me réjouis de ce moment que je vais passer à faire un de mes loisirs favoris. Apprendre, me développer, voir l'horizon qui s'ouvre, sentir l'ouverture en moi, cette joie, cette infinie liberté, cette perspective de présent et d'avenir, sentir que tout est possible, me sentir reliée au monde. Ce sont des choses qui me nourrissent énormément et donc je me réjouis. Je dis un merci spécial aux circonstances qui étaient très particulières et qui me permettent de participer à cette formation et qui vont permettre, voilà, d'avoir mon petit moment de plaisir spécial juste maintenant. Voilà, c'était mes trois gratitudes de la journée. Merci à la vie, à ma santé, à mon souffle. Merci au lieu où j'habite, au lieu où je travaille. Merci à mon loisir favori, à mon développement personnel. Voilà, c'est pas seulement des mots, hein. Vous voyez que c'est lié à des émotions et à un état d'être. Si vous aussi, voilà, je switch de mon état méditatif à un état plus communicatif. Si vous aussi, ça vous intéresse d'apprendre le pouvoir des mots vitamines, d'apprendre le pouvoir des gratitudes et d'autres façons dont les mots vitamines peuvent vous aider dans votre vie, par exemple avec les affirmations positives et les cartes Vitamo, vous pouvez prendre un rendez-vous, c'est offert, c'est dans le flux d'abondance et de générosité. Vous pouvez prendre un rendez-vous découverte avec moi pour qu'on regarde ensemble où vous en êtes et qu'est-ce qu'il vous faudrait dans la vie. Comment les mots vitamines et vitamos peuvent vous aider. Voilà, je vous mets la description, le lien dans la description pour réserver. Et je me réjouis de faire bientôt votre connaissance. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Tchuss!